Le produit qui a représenté le plus gros défi chez Milo, c'est sans hésitation la nouvelle version de Legend. Au bout de 7-8 ans où on avait créé Legend et FS qui étaient déjà installés chez pas mal de clients, on a décidé de repartir complètement à zéro, de le réécrire from scratch, comme on dit dans le dev. En utilisant des nouvelles technologies, en se basant sur les bonnes idées qu'on avait eues pour la version 1 et en apportant toutes les évolutions auxquelles on avait pensé pendant toutes ces années. Donc ça a très bien fonctionné. Pendant plusieurs mois, on a développé la version 2 et quelques mois avant la fin, on a trouvé une nouvelle technologie qu'on utilise encore aujourd'hui et donc on est une deuxième fois reparti à zéro. Et la version 2 de Legend n'a jamais vu le jour. On l'a encore dans nos ordinateurs, mais les clients n'ont jamais vu et ils sont passés directement de la V1 à la V3.